brothers and sisters. Today is November the 24th, and the church is celebrating the Feast of Christ the King. Now remember, we will have a 2 minutes presentation in English, 2 minutes in French, and then 2 minutes in Creole. It's very short. Let me offer a reflection on the Feast of Christ the King. The first reading is taken from the second book of Samuel and the Gospel of Luke, chapter 23. On this last Sunday of the church year, the church invites us to joyfully acknowledge Jesus as a universal King, the King of all ages, the eternal King, one whose kingdom will have no end. In the history of Israel, David, in spite of his mischief, was considered the ideal king. Jesus fulfills the prophecies that foretold that a son of David would come at the end of time to establish the kingdom of incredible peace and equity for all the peoples of the world. St. Paul in the second reading described Jesus as the image of the invisible God, the firstborn of all creation. All things in heaven and on earth were created through him and for him, the visible and the invisible. He is the head of the body, the church. In him all the fullness dwells, and he is preeminent above all things. By the blood of his cross he makes peace and reconciles all things with God. Christ Jesus. Yet the gospel text shows him nailed naked on the cross with a crown of thorns on his head, being sneered by the soldiers and many other passerby. How shall we celebrate as king one hanging miserably and nailed to a piece of wood? Let's marvel at the thought that Jesus is not a king in the manner of the earthly kings we know. He has no army, no palace, no earthly thrones, no scepter. He's a king of love, of mercy, the king of the new age, the king according to God's heart. Like the contrite thief of Calvary, we will be with him in paradise if we come to love as he has loved, if we accept to turn away from evil conduct, from sin, and to be renewed by his grace. Let us rejoice for the everlasting glory reserved for the followers of Jesus, the true King, for endless time. Alleluia, alleluia. Let us belong to that kingdom that will have no end. Aujourd'hui, 24 novembre, nous célébrons la fête de Jésus, roi de l'univers, la fête du Christ roi. En ce dernier dimanche de l'année, l'Église nous invite à faire la fête. Jésus est celui qui détient le dernier mot. C'est à lui qu'appartient le triomphe final. Oh, bien sûr, beaucoup le rejettent, beaucoup ne l'ont pas pris au sérieux. Son discours sur l'amour, le pardon des ennemis, l'oubli de soi, paraît quelque peu idéaliste et même un peu ridicule. L'humanité se laisse davantage attirer par ce qui brille, ce qui prodigue le plaisir immédiat. L'on semble trouver beaucoup de joie dans la jouissance de l'argent et du pouvoir. Quant aux pauvres, on est porté à les mépriser, ou plutôt à les ignorer. Jésus, admettons-le, lance un défi au monde. Les rois de la terre sont comme l'herbe des champs. Le matin, elle fleurit et s'épanouit, mais le soir se fane, périt et disparaît. Après notre séjour sur terre, s'ouvre la perspective du salut éternel. Dès à présent, par la foi et le baptême, nous embrassons Jésus comme notre roi.
C'est lui qui viendra au dernier jour pour juger les vivants et les morts. C'est lui, le roi, fils de David, le roi de la paix que les prophètes ont annoncé. La première richesse à poursuivre n'est pas celle du monde appelé à périr. Comme êtres humains, une destinée éternelle de joie nous est proposée. Le Christ reviendra dans la gloire. Saint Paul le décrit comme l'image du Dieu invisible, celui qui détient toute plénitude. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. Par son sang, il réconcilie le monde pécheur à Dieu. Marchons donc à sa suite. Apprenons à aimer comme il a aimé, à poursuivre ce qui dure à jamais plutôt que ce qui est destiné à périr. C'est le chemin qui mène au bonheur maintenant et à jamais. Réjouissons-nous, Jésus est ressuscité, c'est le roi selon le cœur de Dieu. À lui appartiennent le pouvoir, l'honneur et le juste. Toi donc, cette invocation, et le juste partagera sa victoire à jamais. Que Dieu touche ton cœur, transforme ta vie et te réserve pour partager la gloire du Christ. Amen. Frère Axemoyo Jodia, qui c'est 24 novembre, a célébré Fête Nouvelle Christ qui roi. Oui, Christ qui t'est venu, que pile monde suive, qui promet la grâce, la lumière, la vérité. Lui-même tout l'idine, l'aptoune. Et Jodia, c'est ça n'a fêté. Fête Christ captoune comme roi pour tout temps. Roi sous terre, c'est un coup Zeb le matin. Yo fait grand papa, yo bien vêt, mais le soir, yo fané, et puis yo desséché, et puis yo tombé, yo passé. Tandis que Christ c'est lui qui roi pour tout temps. Alors c'est ça le besoin qu'on a. Est-ce qu'on va vivre tout 50, 60 années, peut-être 20 ou 30 années, on va passer sous terre, ou bien on voulait vivre pour tout temps dans la vie. Depuis qu'on y est, c'est pour changer, c'est pour transformer. N'a fait fête aujourd'hui pour tout le monde qui tout bon vrai accepter Jésus pour moi. C'est vrai qu'il pas voler, qu'il pas mentir, qu'il pas adultère, n'a tromper monde, n'a bêtiser monde, n'a bêtiser croire, mais qu'à vivre dans la justice, dans le règne, mais qu'à chercher moyen améliorer pays côté au fait là, qu'à chercher moyen faire du bien, mais suivre Jésus le règne, le pardonner et puis le rendre service gratis. C'est vous-même qui a partagé la gloire finale. Le Christ va retourner pour le roi pour tout le temps. Il n'est pas tant que roi terre qui tout simplement besoin de belles machines, belles cailles, belles palais. La roi pour tout le temps et la roi tout le monde qui semblait avec lui, qui l'œil était sous terre, qui servi à lui bête pour chercher faire ça qui est direct, ça qui est correct, ça qui est bien, qui pas ranger comme des vagabonds qui ont fait bêtises. Moi, content que je vous dis, on prend bonne nouvelle là, ouvrez cœur, suive Jésus qui est roi pour tout temps. Amen. Ma bénie. Merci, bonne fête.
samba encore, non? Alors, Simone, tu viens à Simone. It was very nice. Réfléchir, ma vie s'y remet.
fraternité, c'est pas elle qui est possible. Est-ce que Jésus pas nous mentir? Malgré tout, adversité, Jésus nous, ouais, c'est eux-mêmes qui chef tout ça qui existait. T'en prie pas, l'esprit papa. Pour que ça y en a mangé la cosa, côté où passé c'est la guerre, m'a demandé ça qui fait ça, ma foi, moi pas réfléchir, m'a dit si remet à fraternité, c'est pas